au courant de ton mensonge, je ne serai plus jamais ta copine. Bon, bah, je vais y aller toute seule si c'est ça. Bah, j'attends le bus pour aller chez Massilia. Non, mais Lyra, t'es sérieuse ou quoi? Je viens de recevoir un message du papa de Massilia. Il m'a même appelé pour me dire ce que t'avais fait à Massilia, mais... Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Quoi? Qui m'envoie un message? Massilia? Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Je ne suis plus ta copine, je suis au courant de ce que tu m'as fait? Mais quoi? Mais j'ai fait quoi? Non, c'est pas possible, là, il faut que je m'assoie pour lire le message entier. Quoi? Je suis au courant de ton mensonge, je ne serai plus jamais ta copine. Mais pourquoi elle m'envoie ça? Je comprends pas. C'est bizarre, un appel du père de Massilia. Allô? Ah non, mais ça raccroche. Ah tiens, il m'a laissé un message. Tu vois ce que Lily Rose a fait à Massilia? C'est horrible. Il faut que je l'appelle pour en savoir plus. Oui? Allô? Allô, Massilia? Oh, je suis énervée, là, c'est pas possible cette situation. Ah bah Esteban, t'es là, j'ai un problème, vite, écoute-moi. Non mais Lily Rose, t'es sérieuse ou quoi? Je viens de recevoir un message du papa de Massilia, il m'a même appelé pour me dire ce que t'avais fait à Massilia, mais... Je peux plus te parler, là, en sachant ça. Allô? Eh oh! J'entends une voix, mais elle doit être en train de se moquer de moi, je crois. Enfin, je sais pas, mais je pense... Non, non, mais Esteban, j'ai rien fait. Crois-moi, s'il te plaît. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi cette histoire encore? T'essaies pas de l'appeler, quand même. Oh là 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 là. Bon, peine perdue. Bon, allez, je te laisse. Je veux plus te parler non plus. A few moments later. Bon, allez vite. Il faut aller à un endroit le plus vite possible. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, du calme, Lily Rose, là. J'ai même pas eu le temps de rentrer. Vite, vite, vite. Il faut qu'on aille chez Massilia le plus vite possible. J'ai un truc à faire. Comment ça, chez Massilia? Mais c'est trop loin. On va pas y aller comme ça, Lily Rose. Allez vite, tiens, le GPS. Il faut qu'on y soit avant ce soir. Ouais, mais ça fait beaucoup de route, Lily Rose, quand allez, même. Allez, vite. Là, je dois vraiment réviser quelque chose. C'est pas possible, on téléphone. Allez, vite, tu sais vite, combien vite, il y a d'heures de route, quand même? Il y a au moins 6 heures de route. Bon, bah, je vais y aller toute seule, si c'est ça. Je vais y aller à pied. Ça va mettre au moins 2 jours, mais bon, j'y vais, hein. Non, Lily Rose, reviens. Mais après, c'est quoi le problème, là? Pourquoi tu veux y aller comme ça, là, vite fait? Bon, il veut pas m'accompagner. C'est pas grave. J'ai mon GPS. C'est pas grave si je vais devoir marcher 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Je sais pas, mais bon, on va faire... comme on peut. Bon, je vais attendre le bus ici et j'espère qu'il va pouvoir m'accompagner jusque chez Massilia. Lily Rose, j'ai des nouvelles pour Massilia là. Bah Lily Rose, non mais t'es passée où là? Oh sérieux, j'espère qu'elle n'est pas partie à cause de ça. Lily Rose, arrête de te cacher, c'est pas drôle. Peppa Pink, lui il doit savoir où elle est. Peppa Pink, tu sais où est Lily Rose ou quoi? Ah bah oui, elle est venue dans la voiture, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner chez Massilia. Et elle est où là? Bah j'ai dit que je pouvais pas étant donné que... Non mais elle est où là maintenant, il faut elle la partie, trouver. Elle doit être à l'arrêt de bus. Non mais allez vite vite, va la chercher, va la chercher. Oh c'est pas possible, elle s'est enfuie. Elle veut aller chez Massilia toute seule mais elle connaît pas la route, à l'arrêt de bus elle va aller... Elle va pas aller bien loin de toute façon. Il faut que j'arrange cette situation, il faut que je téléphone au père de Massilia. Bon allez je vais l'appeler parce que... Allô? Allô, allô? Allô? Le répondeur, encore une fois, je vais envoyer un message parce que c'est plus possible ces histoires-là. Si Lily Rose débarque chez eux sans prévenir, ça va être encore la catastrophe, surtout vu ce qu'elle a fait. Et Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là, attendre là à l'arrêt de bus? Bah, j'attends le bus pour aller chez Massilia. T'es encore avec cette histoire de Massilia? Non, non, oui. Allez, viens, allez, viens, non, je t'accompagne. Alors, tu m'accompagnes, mais on y va en voiture. Bah oui, allez, viens alors. T'es sûr? Allez. Bon. Allez, dépêche-toi, Lily. Bon, là, ça suffit. Je veux découvrir ce que j'ai fait à Massilia une bonne fois pour toutes parce que là, je sais pas, on me dit qu'elle est plus mon amie. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais je sais pas, c'est ça le problème. C'est pour ça que je voulais aller la voir parce que là, j'en peux plus. Là, tu me demandes d'aller en urgence chez eux. Mais oui, mais c'est parce que Steven m'a dit, mais quoi, mais qu'est-ce que t'as fait à Lily Rose? Alors que moi, je. Massilia, pardon. Alors que moi, je savais pas du tout. Tu veux que j'appelle son père? Bah non, ça sert à rien, il va pas nous répondre, c'est sûr, surtout que moi il m'aime pas, je sais même pas bon, ce que j'ai fait. Si, ça m'étonnerait. Bah, allez, explique-moi vraiment ce que t'as mais dit. Mais je n'ai rien fait du tout. Bon bah je vais te dire, Lily Rose, ce que Massilia a vu. Apparemment tu as publié sur ton Instagram un texte, une chanson qui fait « Massilia, t'es plus mon ami, attention au pipi ». Mais c'est nul comme texte, pourquoi t'as fait ça? Oh mais je comprends pourquoi elle est plus ton amie, c'est nul, c'est des blagues de CP, c'est des blagues de maternelle ton truc. Mais j'ai jamais écrit ça, c'est totalement faux, mais qui a dit ça, franchement?
T'as fait ça, Lily Rose? Ça m'étonnerait. Il faut que je découvre qui a fait ça. Eh ben, en fait, la personne qui a fait ça, son nom, il commence par un E et il s'appelle Esteban et... Quoi? C'est à cause de toi que ma fille, elle dit ça? Mais quoi, je suis trop énervée, là. Pourquoi t'as fait ça? C'était un prank! En fait, c'est moi qui ai demandé au père de Massilia d'envoyer les messages et du coup, c'est un prank, c'est trop drôle. Regarde, tout de suite au montage, une photo de Massilia avec une licorne sur la tête. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Attends, clique sur une vidéo qui apparaît. Allez, à la prochaine, va. Bulle magique, Daniel. Oui.